Bonjour. Univers Nature vous propose aujourd'hui les aliments riches en antioxydants. Importance des antioxydants dans l'organisme. Un protection contre le diabète et les maladies cardiaques. 2 prévention du sida et du cancer. 3 prévention de la maladie d'Alzheimer. 4 maintien du système nerveux. 10 aliments riches en antioxydants. Raisins. Myrtilles. Fruits rouges et fraises, noix, légumes à feuilles foncées, patates douces et légumes oranges, thé, grains entiers, légumineuses, épaisseur, type d'antioxydants. Est-il recommandé de prendre des compléments nutritionnels contenant des antioxydants? Existe-t-il une relation entre les maladies oculaires et les catéchines? Conseil. Les antioxydants sont des molécules dont la mission est de protéger les cellules des dommages pouvant résulter des radicaux libres. Par conséquent, le besoin d'antioxydants est nécessaire, et à travers ce rapport, nous en apprendrons plus sur les antioxydants et leurs sources. Quelle est l'importance des antioxydants à l'intérieur du corps? Les antioxydants sont l'un des éléments qui jouent un rôle important dans le corps humain pour prévenir de nombreuses maladies. L'importance des antioxydants est une protection contre le diabète et les maladies cardiaques. 2. Les antioxydants ont une énorme capacité à empêcher l'oxydation des graisses en prenant un électron des radicaux libres dans les graisses pour assurer la stabilité chimique, car ce processus est basé sur la protection du corps contre le diabète et les maladies cardiaques. 3. Prévention du sida et du cancer. 4. Les antioxydants agissent dans le corps humain pour augmenter la capacité immunitaire du corps en perturbant la réaction des radicaux libres et empêchant ainsi l'exposition au risque de nombreuses maladies telles que le sida et le cancer. 5. Prévention de la maladie d'Alzheimer. 6. Les antioxydants combattent les maladies qui peuvent affecter les personnes âgées, comme la maladie d'Alzheimer. 7. Entretenir le système nerveux. 8. Les antioxydants protègent également le système nerveux de certaines maladies mentales et neurologiques. Le stress oxydatif. Quels sont les déclencheurs du stress oxydatif? 5. Sources contenant des antioxydants. Le stress oxydant est une condition qui résulte d'un déséquilibre dans le système des agents oxydants et antioxydants, et c'est par la production de trop d'oxydants, provoquant ainsi un déséquilibre dans la détoxification de l'organisme. Comment équilibrer les antioxydants et les radicaux libres? Étant donné que le corps humain a besoin à la fois d'électrolytes libres et d'antioxydants, un équilibre doit être établi entre eux. Lorsque les radicaux libres dépassent le niveau disponible d'antioxydants, ils menacent les cellules du risque de stress oxydatif, qui dans la plupart des cas conduit à la mort cellulaire. Dans le cas d'un apport excessif en antioxydants, il entraîne un effet néfaste et des symptômes toxiques sur l'organisme et devient ainsi un catalyseur du stress oxydatif. Quels sont les déclencheurs du stress oxydatif? Certains comportements quotidiens et conditions générales entourant les personnes peuvent augmenter le stress oxydatif et donc le besoin d'antioxydants, parmi lesquels inhalation d'air pollué et de fumée de cigarettes, consommation d'alcool et de drogue, taux de sucre dans le sang élevé, consommer beaucoup de graisse saturée, exposition au soleil pendant de longues périodes, virus, infections et maladies, apport excessif de certains minéraux tels que le fer, le magnésium, le cuivre et le zinc, manque d'oxygène dans le corps, exercice intense et épuisant qui cause des lésions tissulaires, apport excessif d'antioxydants tels que les vitamines. Quant au manque d'antioxydants, une carence en antioxydants entraîne une condition connue sous le nom de stress oxydatif, et la récurrence de cette condition augmente le risque de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, certains types de cancers et accélère le processus de vieillissement. Sources contenant des antioxydants. La nourriture est la principale et la meilleure source pour obtenir des antioxydants, et il est possible de l'obtenir à partir de sources végétales et animales, mais elle est plus disponible dans les plantes comme les fruits et les légumes. Nous apprendrons à connaître les types de ces aliments, notamment raisins. Les raisins noirs contiennent des composés phytochimiques et des antioxydants qui protègent contre le cancer et les maladies cardiaques. Myrtilles. Des études ont confirmé que la consommation de myrtilles aide à protéger les cellules contre les dommages et réduit l'inflammation, en plus de contenir des vitamines et des minéraux qui renforcent le système nerveux. Fruits rouges et fraises.
Les fraises, les framboises contiennent de l'acide ellagique, un composé végétal chimique qui aide à protéger contre les carcinogènes dans les régimes. Des noisettes. Manger des noix fournit une dose de graisse saine, une petite quantité de protéines et de glucides, et chaque type de noix fournit différents types de minéraux, de matières végétales et de graisses. Légumes à feuilles foncées. Y compris les épinards, le brocoli et le chou vert, tous contiennent des nutriments nécessaires pour les muscles en plus de contenir de la vitamine C, E et A, du calcium, du magnésium et du potassium et contiennent également des composés phytochimiques antioxydants tels que le canférol. Une substance qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et a des propriétés qui contribuent à lutter contre le cancer. En outre, le chou frisé, les boules et la laitue contiennent de la lutéine et de la quercétine, qui sont de très puissants antioxydants. Patates douces et légumes oranges. Les patates douces contiennent des vitamines C et B6, du potassium et des fibres, tandis que les légumes oranges, y compris les carottes, sont riches en vitamine A. Thé. Avoir une tasse de thé permet à une personne d'obtenir l'un des composés phytochimiques les plus importants tels que l'anthocyanine, qui est un antioxydant qui aide à combattre les infections. Le thé vert en particulier est riche en composés phytochimiques tels que l'épigallocatéchine galate, qui est un antioxydant très puissant. Grains entiers. La recherche a montré que les personnes qui mangent un repas de grains entiers pendant la journée ont moins de risques de développer certaines maladies, notamment les maladies cardiaques et le cancer. Légumineuses. Les légumineuses sont de riches sources d'antioxydants et de vitamines, y compris le soja vert, qui fournissent à l'organisme de la vitamine C, du calcium, du zinc et du sélénium. Les lentilles et les pois sont des légumineuses riches en folate, tandis que les haricots de toutes sortes contiennent de l'acide folique. Poissons. Les poissons contiennent des acides gras comme les oméga-3, ils protègent contre les maladies coronariennes. Parmi ces poissons, les sardines, les huîtres, le maquereau, le thon, le requin et le hareng, les poissons contiennent également de la vitamine D. Type d'antioxydants. Il convient de noter que les antioxydants se divisent en deux types. Un antioxydant hydrosoluble, ils sont absorbés et agissent à l'intérieur des cellules comme la vitamine C. Deux antioxydants liposolubles, ils sont absorbés dans la paroi cellulaire et l'affectent également, y compris la vitamine E et jouent un rôle efficace dans la protection des membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs. Les flavonoïdes sont également des antioxydants présents dans les aliments végétaux. Est-il conseillé de prendre des compléments nutritionnels contenant des antioxydants ? Comme mentionné précédemment, une consommation excessive d'antioxydants n'est pas une chose saine et bénéfique pour la santé, mais au contraire, elle peut causer beaucoup de dommages. Par conséquent, des études scientifiques ont confirmé que l'obtention d'antioxydants par l'alimentation affecte mieux la santé du corps car ils fonctionnent en harmonie les uns avec les autres. Il est donc préférable de choisir des sources alimentaires riches en antioxydants plutôt que de les manger via des compléments nutritionnels. Y a-t-il une relation entre les maladies oculaires et les catéchines ? Il ne fait aucun doute que les antioxydants jouent également un rôle important dans le maintien de la santé des yeux, en particulier la protection contre les cataractes. En effet, le cristallin de l'œil est constitué de protéines à longue durée de vie qui ne peuvent pas être corrompues pendant des décennies de la vie chronologique d'une personne. Mais le vieillissement ou l'exposition à des niveaux élevés de rayons ultraviolets et d'autres sont parmi les principales raisons de la destruction des protéines oculaires. Et l'oxydation de ces protéines, ce qui en résulte, ces protéines se collent et se déposent ensemble, provoquant l'assombrissement d'une partie du cristallin de l'œil appelé cataracte. Mais en obtenant de manière adéquate des antioxydants qui inhibent les radicaux libres nocifs et les enzymes protéolytiques, l'œil humain dispose d'un système de défense puissant qui protège les yeux de tout dommage oxydatif et prévient la cataracte. Conseil. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance des antioxydants, à l'intérieur du corps humain, qui sont parmi les composés les plus importants nécessaires pour le corps, qui travaillent pour protéger une personne d'un nombre infini de maladies telles que le cancer, le sida, le diabète, le cœur et d'autres maladies. Par conséquent, soyez très prudent de manger plus d'aliments contenant des antioxydants, en suivant une alimentation quotidienne saine pour les personnes, qui repose sur un équilibre sain riche en légumes et fruits et en eau potable en abondance. Merci de votre présence. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.